c'est le rendez-vous incontournable pour tous les cinéphiles du monde entier. Cette année, la 95e cérémonie des Oscars a lieu le 12 mars à Los Angeles. Célébrités, fans de stars et de 7e art ont déjà tous marqué cette date dans leur agenda pour ne pas manquer l'événement planétaire où les plus grands artistes du cinéma américain vont s'affronter pour élire celles et ceux qui ont marqué le grand écran en 2022. Parmi les sélectionnés de cette année, 4 films se distinguent par leur nombre de nominations et sont les grands favoris: Everything Everywhere All at Once, comédie délirante sur le thème très en vogue du multivers, obtient le plus grand nombre de nominations en étant présente dans 11 catégories. Elle est suivie du film Les Banshees d'Inisherin, réalisé par Martin McDonagh, qui récolte, lui, 9 nominations. L'adaptation à l'Ouest, Rien de nouveau, a elle aussi obtenu 9 nominations, tandis que le biopic autour de la vie du King of Rock Elvis est lui nommé 8 fois. Photo, Oscar 2022, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Zendaya. Les plus belles robes des stars. Côté acteur et actrice, la compétition est là aussi forte. Du côté des femmes, s'affrontent Michelle Yeoh pour son interprétation dans Everything Everywhere All at Once, Kate Blanchett, vainqueur par 2 fois dans cette catégorie déjà dans le passé, ou encore Ana de Armas pour son interprétation extraordinaire de Marilyn Monroe dans le film Blonde. Andrea Riseboro et Michelle Williams complètent le tableau. Chez les hommes, Brendan Fraser est donné comme grand favori pour son retour sur le grand écran dans le film The Whale, mais il fait face à des adversaires redoutables comme Austin Butler, impressionnant en Elvis Presley dans le film de Baz Luhrmann, ou encore Colin Farrell pour son interprétation dans Les Banshees d'Inisherin. Paul Mescal et Bill Nye sont également pressentis pour cette statuette. C'est une tradition vieille de plus de 20 ans. Depuis la cérémonie des Oscars de 2002, la célébration du cinéma américain a lieu tous les ans au théâtre Dolby à Los Angeles. Si la salle n'a pas toujours été la même, les Oscars se sont en revanche toujours déroulés dans la Cité des Anges, et ce, depuis leur création en 1929. En revanche, changement de taille pour cette année, alors que depuis 1961, année de son apparition, les stars avaient pour habitude de défiler sur un tapis rouge, la cérémonie 2023 casse les codes en déployant pour la première fois un tapis blanc cassé. Une différence à laquelle l'Académie n'a apporté aucune explication précise. Photo, découvrez plus de 65 robes de stars qui ont déjà marqué la cérémonie des Oscars après Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes ensemble. C'est l'animateur Jimmy Kimmel qui reprend seul le rôle de maître de cérémonie pour cette édition 2023. Un habitué du genre, puisqu'il s'était déjà chargé de présenter les cérémonies des Oscars en 2017 et 2018. L'animateur sera responsable de la bonne tenue de la cérémonie et fera tout son possible pour éviter qu'un incident semblable à celui de l'an dernier se reproduise. Pour rappel, en 2022, Will Smith avait giflé en direct devant tout le monde l'humoriste Chris Rock. Tout comme la cérémonie des Césars en France, il n'est en théorie pas possible d'assister aux Oscars à Los Angeles sauf invitation. Les 1500 places sont en effet achetées par les grands studios en compétition qui s'occupent ensuite de les redistribuer auprès de leurs talents et de leurs invités. Néanmoins, quelques exceptions existent. Un marché noir de revente d'invitations permet d'acheter sa place entre 150 et 750 dollars selon le placement dans la salle. Moins coûteux mais plus hasardeux, il existe aussi le rôle de figurant des Oscars, qui consiste à venir le jour de la cérémonie et espérer qu'il y ait des absents pour occuper leur siège à leur place, afin de toujours montrer une salle pleine lors de la diffusion. Une possibilité qui ne s'offre que quelques secondes avant le début de la cérémonie. Dans tous les cas, le smoking et la robe de soirée restent bien sûr exigés.
Quant aux Français prêts à passer une nuit blanche pour suivre la cérémonie en direct, mais qui ne savent pas où la voir, elle sera intégralement diffusée, traduite et commentée en exclusivité sur Canal+ dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars. Pas de panique, donc, il sera tout à fait possible de suivre ce grand événement des États-Unis, même depuis la France. Comme pour la France et les Césars, le vote pour les Oscars n'est pas ouvert à tous. Pour décerner les heureux élus qui obtiendront la statuette, il faut en effet faire partie de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, une organisation professionnelle basée à Los Angeles. Composée de 17 branches, elle peut accueillir des membres issus des comédiens, des réalisateurs, des techniciens, des maquilleurs ou même encore des membres personnels, c'est-à-dire des membres qui ne sont pas forcément des professionnels du cinéma mais dont l'apport par leur travail ou leur engagement a contribué à l'évolution du 7e art. Intégrer cette académie reste un parcours du combattant, un nouvel entrant ne peut être intégré que s'il est soutenu dans sa candidature par deux membres de l'académie. Seule exception, les nommés et lauréats aux Oscars qui, eux, peuvent postuler directement. Leurs dossiers de candidature sont ensuite examinés par le Conseil des gouverneurs de l'Académie. En 2020, on comptait 9921 membres au sein de cette Académie. Souvent nommés dans la catégorie des meilleurs acteurs, mais jamais récompensés. Certains attendent toujours de recevoir la précieuse statuette qui viendra couronner leurs prestations et plus largement leur carrière. Si Leonardo DiCaprio a longtemps été l'emblème de cette catégorie d'acteurs, d'autres grands noms font partie de cette liste, comme Johnny Depp dont la dernière nomination remonte à 2008, Benedict Cumberbatch nommé en 2022 mais n'ayant pas remporté le trophée, ou encore de Jake Gyllenhaal qui n'a même jamais été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Chez les femmes, malgré de multiples nominations, Amy Adams fait également partie des malchanceuses, en compagnie de Glenn Close, ou encore Sigourney Weaver qui n'a plus été nommée dans une catégorie aux Oscars depuis plus de 30 ans. En 2022, la cérémonie des Oscars s'était révélée riche en surprises. Outre la polémique qui a éclaté suite à son geste violent à l'encontre de Chris Rock, Will Smith avait remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Richard Williams, le père de Serena est venu Williams, tandis que celui de la meilleure actrice était revenu à Jessica Chastain, pour son rôle dans le film Dans les yeux de Tammy Faye. Le film Dune avait lui aussi été l'un des grands gagnants de la soirée, en pochant 6 Oscars sur les 10 catégories où le film était nominé. Mais la plus grande surprise reste le film « Coda », adaptation américaine de la famille Bélier. Nommé dans 3 catégories, le film est sorti vainqueur à chaque fois, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario adapté, mais surtout meilleur film, face à des mastodontes comme « The Power of the Dog » de Jane Campion, « West Side Story » de Steven Spielberg ou encore « Licorice Pizza » de Paul Thomas Anderson. Espérons autant de belles surprises et de découvertes pour cette édition 2023. Crédit photo, Zoom Après ce best image.